Il y a encore très peu de temps, quand tu avais un indésirable dans ton club, c'était simple. Tu activais le cheat code marché chinois et tu pouvais le refourguer pour quelques dizaines de millions à un club dans un championnat exotique qui semblait avoir des fonds illimités. Sauf que voilà, le projet du football chinois a échoué, c'est une grande surprise après qu'ils aient payé des millions d'euros la Vézi qui était d'ores et déjà fini pour le football. Et on va revenir sur cet échec. Il y a un livre que vous connaissez peut-être qui est sorti en 1973 qui s'appelle Quand la Chine s'éveillera le monde tremblera. Il a été signé par Alain Perfit. Il parle pas du tout de football, mais la Chine s'est éveillée dans le foot. La Chine a fait trembler le monde, sauf que la Chine est rapidement retombée pour des raisons culturelles, économiques et pour une faillite économique qui a été majeure et qui doit servir de leçon à bien des championnats. Donc, comment la Chine a abandonné ses grands rêves footballistiques On en parle dans cette nouvelle vidéo Talk My Football. Alors, on va commencer avec la partie ref parce que, bien évidemment, pour tomber de CEO, il fallait avoir des aspirations grandioses. Et les aspirations grandioses, elles viennent directement de l'état chinois et plus précisément de Xi Jinping, président amateur de foot qui a donné la direction et qui avait pour projet de faire en sorte qu'en 2050, la Chine serait le pays du football. Et pour ça, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Il y a des choses qui ont été mises en place déjà d'un point de vue de l'état chinois où tu as eu l'ouverture de très nombreuses écoles de foot où tu as essayé de faire entrer la culture footballistique auprès des jeunes chinois. Et tu as fait venir un savoir-faire d'Europe, euh, notamment en t'inspirant des meilleurs clubs. Sauf que voilà, l'État ne fait pas tout. Il fallait bien évidemment développer le championnat chinois, les clubs chinois, leur fameuse Super League chinoise. Et pour ça, bah, tu as eu besoin d'encourager des acteurs privés. Des acteurs privés qui ont évidemment joué le jeu et qui ont injecté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur ce marché. D'ailleurs, il faut savoir qu'une des premières vidéos de Talk My Football, je crois même que c'est la première vidéo, elle est sortie en 2017, elle n'est plus publiée sur la chaîne, mais le nom c'était un truc du style, est-ce que la Chine va poser 50 millions d'euros sur Bamu, Yacine Bamu, l'ancien joueur du FC Nantes Parce qu'il faut bien se dire qu'à cette époque, eh bien, la Chine dévastait le marché des transferts avec des offres absolument faramineuses. Je vais vous donner quelques noms que vous avez évidemment en tête. Hulk, par exemple, qui a signé pour 55 millions d'euros. 2 euros, Oscar 70, Texera 50, Jackson Martinez 42, Ramirez 28 millions et en fait... Si tu fais un peu le bilan des dépenses, c'est 170 millions en 2015, 260 en 2016 et 388 millions d'euros en 2017. Autant vous dire que les clubs chinois ne lésinaient pas à la dépense. Ils offraient non seulement des montants de transfert qui étaient absolument faramineux pour chacun des joueurs qu'ils allaient recruter, que ce soit Hulk au Zénith ou Oscar à Chelsea, bah tu avais finalement des indemnités de transfert qui faisaient que les clubs européens disaient ok go vas-y, je fonce, je te lâche mon joueur, mais en plus le joueur Notamment Hulk et Oscar, qui étaient des jeunes joueurs. On peut se dire, ok, ils vont partir dans le championnat chinois, ils vont peut-être se cramer, c'est peut-être la fin de leur carrière. Depuis, on a vu des joueurs comme Vitzel qui prouvaient qu'on pouvait très bien revenir. Mais ils acceptaient quand même ça parce que les salaires étaient absolument énormes. Donc il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi dans le but de faire venir des stars, de rendre le championnat attractif, de créer de la curiosité autour de ça. Et finalement, bah, de motiver les jeunes Chinois à se mettre au foot, à aller au stade. Et il y a eu des investissements de toutes parts. Là, on parle du marché des transferts. Il y a également de très nombreux entraîneurs qui sont venus d'Europe et à la manière des joueurs, ils ont été chassés avec des contrats et des ponts d'or absolument fabuleux. Et il y a même eu des infrastructures, des stades qui ont été construits, des projets sur lesquels on a des vues 3D qui annonçaient des choses absolument incroyables. Et en plus de ça, le troisième niveau d'investissement de la Chine sur le football, toujours via les acteurs privés, eh bien, c'était à travers des clubs européens. On a vu des actionnaires chinois arriver à l'OL, on l'a vu également à la Atlético Madrid et on a vu des clubs entiers passer sous le pavillon chinois par exemple avec l'Inter et son fameux actionnaire donc tout ça faisait que la Chine était en une grande dynamique il y avait énormément d'argent qui était injecté il y avait du savoir-faire qui passait de l'Europe à la Chine l'État donnait une direction claire l'État mettait les moyens les clubs mettaient également des sommes faramineuses sauf que voilà mais il y a rapidement eu des freins qui se sont posés des limites parce que ça partait un petit peu dans tous les sens Déjà, quand on parle du championnat chinois, il faut parler d'argent parce que vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est déterminant. Et surtout, ils dépensaient bien au-dessus de leur train de vie. On parle de fair-play financier en Europe, de situations de clubs qui sont endettés. Mais si on parle du déficit du championnat chinois durant une de ces années phares, il a quand même atteint la modique somme de 500 millions d'euros de déficit. Ça veut dire en une année, tu te crées 500 millions d'euros de dette. Il faut se rendre compte d'à quel point, en plus, c'était drainé par quelques clubs chinois qui étaient Extrêmement dépensier, et évidemment, ça, ça crée une bulle spéculative qui était absolument énorme, qui n'était basée sur rien, et ça ne pouvait pas continuer. Et vu que ça ne pouvait pas continuer, l'État chinois a rapidement mis le holà auprès de ses acteurs privés en imposant un certain nombre de règles. Les premières, elles arrivent assez rapidement, elles concernent les joueurs étrangers. C'est en 2018 où tu limites le nombre de joueurs étrangers à 5 sur la feuille de match et à 3 en jeu, et tu taxes les transferts à 100%. Donc une taxe à 100% sur les transferts veut dire que quand tu vas poser 50 millions d'euros sur un joueur, tu dois piller le double. Donc évidemment, tu te poses de très très grandes questions. Le but, c'est également de laisser la place aux jeunes talents chinois. Parce que si tu as un championnat qui est simplement fait de stars pré-retraitées étrangères, bah, tu vas pas développer le savoir-faire au sein de ton pays. L'année suivante, les mesures continuent. Nous sommes donc en 2019 et tu as des sanctions sportives notamment des pertes de points dans les cas les plus extrêmes si tu as des transferts au-delà de 5,5 millions d'euros. Donc là, le message est clair et net. On arrête les conneries, on arrête les transferts à 15, 20, 30, 50 millions d'euros, il faut arrêter de dépenser de l'argent que le championnat chinois de toute façon ne génère pas malgré son énorme marché intérieur. Et puis la dernière mesure qui a été adoptée en 2020 et qui vise à assainir les comptes pour la période 2019, 2021-2023, c'est un équivalent d'un fair play financier qui euh, met un salarié cap de grosso modo 3 millions d'euros pour les étrangers et encore moins pour les joueurs locaux, donc ça veut dire adieu les stars. Pourquoi je parle de fair play financier, même si c'est pas du tout la même mécanique, bien évidemment, c'est parce que ça suit la même logique qui est d'assainir les comptes des clubs. Et là, tu dis OK, tu n'as plus de gros salaires, tu n'as plus de gros montants de transfert, tu as un nombre de joueurs étrangers qui est limité. Le football chinois va être bien évidemment beaucoup moins clinquant, mais il va peut-être retrouver un petit peu de sens avec le développement des talents locaux. Il va peut-être revenir finalement à une trajectoire moins explosive, mais à quelque chose qui correspond davantage à ce qu'on peut voir dans la réalité du sport. Sauf que. Ben là tu arrives avec la catastrophe la catastrophe c'est que l'état chinois est intervenu bien trop tard sur la situation économique des clubs et du coup ben, au début de l'année 2021 tu as eu le champion en titre à savoir le Suning, qui a fait faillite tout simplement l'abandon était total de la part de ses propriétaires jusqu'à ne plus payer le salaire des joueurs c'est à dire que c'est pas un, un cas où tu as un club qui euh, s'est retrouvé un peu en galère et tout non ils ont tout simplement coupé les vannes et ça c'est un peu symbolique de ce qui est arrivé au foot football chinois tout le championnat se casse la gueule tous les investissements sont en train de partir et en plus tu as des entreprises qui se retrouvent dans des situations délicates et bah, le moment où tu investissais massivement dans le football en chine parce que tu sentais qu'il y avait une volonté étatique et tu sais qu'en chine c'est bien de se faire bien voir par le pouvoir tu sais en plus qu'en chine si tu suis la direction de ce qui est voulu par l'état tu as de grandes chances d'être dans la bonne direction pour saisir des opportunités financières mais tout ça a été terminé tout ça n'a plus a été à l'ère du temps et surtout tu te rends compte qu'il y a un échec de fond en Chine. Il y a un échec de fond parce que, même si le football chinois s'est un petit peu amélioré, on parle quand même d'un envol et d'un crash qui s'est déroulé en très très peu d'années. Reprenez les dates que je vous ai données, on est sur un delta temps qui est grosso modo de 5 ans entre le moment où on se dit c'est l'idylle, tout va bien se passer, ça va décoller, et le moment où tu dis que c'est absolument catastrophique. Et t'as eu des difficultés à construire un championnat sain économiquement, tout en ayant une volonté d'avancer très très rapidement. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'il faut du temps, il faut de la patience, même quand t'as les moyens. Et on se rend compte également qu'un peuple qui n'a pas forcément une culture footballistique forte, même si on va par exemple relier le fait que la Chine a un des sports ancêtres du foot, etc., bon... La réalité, c'est que c'est pas un sport qui est très ancré en Chine et du coup, ben même si tu as un bassin de population qui est absolument énorme, rien ne remplace la culture footballistique. Aujourd'hui, en France, tu peux prendre des gens qui n'aiment pas le foot, ils savent à peu près, grosso modo, deux trois trucs sur le foot. Tous les petits garçons ont l'occasion de jouer au foot dans les cours de récré, de plus en plus de petites filles également. Et forcément, bah ça, ça fait évoluer un sport. Ça fait que tu as un niveau moyen, même des gens qui commencent le sport à des niveaux très très bas, à un très très jeune âge. Tu en as beaucoup et tu as cette culture qui te permet bah, d'avoir une formation professionnelle qui derrière prospère. La Chine a voulu mettre la charrue avant les bœufs, si je peux me permettre une expression pétée, et ça a été très compliqué. En tout cas, ça montre aussi que les règles de régulation sont importantes. Elles sont arrivées en Chine, mais après le fait que ce soit total yolo et que les vannes soient grand ouvertes sur les investissements, sur la spéculation, et on a beau trouver que le fair play financier avait mille et un défauts, et je suis d'accord, ça encourage l'immobilisme, ça aide les gros clubs, bah il avait quand même la qualité d'éviter qu'on se retrouve avec ça dans le football européen. Et on a beau se dire c'est loin, c'est la Chine, il y a beaucoup d'argent, ça ne se passera pas comme ça en Europe, ben, des situations similaires en Europe auraient été parfaitement possibles sans un peu de régulation, un peu de contrôle. Donc je trouve que c'est une belle leçon qu'il va falloir retenir. Alors je ne doute pas que le football chinois n'a pas totalement renoncé, qu'ils seront capables d'avancer. Ils montrent d'ailleurs quelque chose un peu plus intéressant que dans le passé dans certaines compétitions internationales, mais le rêve du football chinois pour 2050 semble plus que jamais compromis. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit retour sur ce sujet, étant donné que, ben, on m'a dit il n'y a pas longtemps, ben, peut-être qu'on peut le refourguer en Chine. Ben non, pas du tout. Et je pensais que la situation était connue de tous, mais voilà, c'est l'occasion de faire une session à rattrapage pour certains, euh, de faire, de se remémorer les choses pour d'autres, et j'avais très envie de vous parler de ça. Bon, vous l'aurez compris, là, la caméra n'avait plus de batterie, mais j'avais fini la vidéo, donc moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine avec de la batterie sur la caméra. Salut.